on souffle, on respire. Parce que maintenant, la prochaine étape, ça va être de sortir d'ici. Et ça va pas être facile du tout. Tu peux m'allumer la lumière, s'il te plaît? Non, bah je vais le faire moi-même. Mais non, mais on me voit pas, je vais pas rester dans le noir. La meilleure partie du live. Oh. Tais-toi, par pitié. Et pourquoi il y a un vêtement devant moi? J'avais pas commandé ça, moi. Bon. Au secours. 150. Wouah. Alors par contre, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne incessamment sous peu, donc on va pas non plus s'éterniser. Ah mais c'est pas ceux-là qui a cédé vers à 20 par hasard. Eh. Il s'est rien passé. Et c'est génial parce que du coup avec ça je vois rien. Ah, ils ont mis la musique dans le salon. Mais là, il y a la caméra qui va me griller. Ils sont au salon. Ok, donc j'ai un petit peu de temps peut-être pour choper 2-3 trucs. Bon allez, encore plus d'argent, allons-y. Pourquoi s'en priver? Par contre, j'ai pas trouvé leur sac de bonbons à eux. Si ça se trouve, c'est dans le salon. Je le vois gros comme une maison, c'est dans le salon en fait. Y a pas une sortie derrière? Non, on va pas casser la fenêtre, hein. Non, non, non. Tu vas sortir par la fenêtre. Et y a pas de sortie à l'arrière. Je vais sortir par la sortie de voiture. Y a que là où je peux vraiment faire quelque chose. Je peux pas voler la voiture parce qu'elle a des... elle a une alarme, donc c'est foutu. Voilà, c'est ça. Il y a de l'argent sur la table. Il y a du monde dans la rue, ça par contre, ça va pas m'arranger non plus, mais... est-ce qu'il y a quelque chose dans la poubelle? Non, 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 je suis pas en intrusion. Non, non, non. Non, non, non. Surtout pas. Ah mince, il y a un chemin sur le côté, j'avais pas vu. Point, 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 point. Vous n'avez rien vu. Je n'ai absolument rien fait. Du coup, je vais pouvoir m'éclipser. Parce que j'ai suffisamment pris de risques. Voilà. Alors, je vais regarder qu'il n'y a personne voilà, qui traverse derrière, parce que sinon, je pense qu'on va... c'est game over. Si jamais on heurte un piéton, c'est fini. Maison. On va avancer l'histoire et passer... au quartier d'après. Oh bah alors là, la note de merde. It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Je n'ai pas eu besoin de toi pour le faire. Mais je veux savoir déjà ce que je peux acheter. Le pick gun électrique. Trop cher. Eh bah je vais acheter une micro caméra. Je vais même en acheter deux, tiens. Je vais en acheter deux. Et sur le Black Bay, ben voilà. Ah mais c'est bon, tous les sacs de bonbons, je les ai eus. Excellent. J'ai pas récupéré la citrouille. J'ai réussi. À la sortie du terrain, j'ai pas récupéré la citrouille. C'est formidable. C'est formidable. Bon, on va voir si on trouve le reste au prochain quartier. Alors ok, d'accord. Non. Mais pas du tout. Oui, si, c'est bon. Ok.
Non mais, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Tac, tac, tac. Voilà. Donc la tablette, c'est bon, c'est fait. Oui. Good work. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. Après que j'aurai déverrouillé le reste quand même. Parce qu'il faut que je pense aussi à mon avenir, quoi. Non, ça va pas être par là. Si, c'est bon. Ok, et il manque plus que le dernier. Ah. Ok, alors c'est où? C'est là. Voilà. C'est bon. On peut aller vendre tout ça. Alors, Black Bay, Black Bay, Black Bay électronique. Tablette. Voilà. Faudrait que j'aille rechercher les amplis, par contre. Oui, ok, ça c'est pour voler les voitures. Ça marche. Ah, mais zut! Alors, pour un contrôle, oui, je vois de laquelle il parle, puisque, bon, voilà, je l'ai déjà fait, la voiture du 104, il faut que j'aille la cambrioler. Mais avant, je vais aller revendre tout ça à la boutique du prêteur sur gage. On va passer plutôt au quartier d'après. Voilà. Non, je vais aller dans le quartier, je vais aller poser les micro-caméras au 101 et au 102. Et après seulement, on pourra aller au quartier d'après. Je le tease depuis un moment, mais ça va se faire. Voilà. Comme ça, on va pouvoir apprendre l'habitude des habitants. Quoique le 102, j'en ai pas vraiment besoin. C'est surtout le 103 qu'il me faut. Donc 101 et 103. Voilà. Donc voilà la première. Et la deuxième. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste récupérer leur citrouille. Je vais aller récupérer leur citrouille, la mettre chez moi. Et après, ce sera bon. On sera quitte. Je pourrais même m'évader à pied, en vrai. En vrai, je peux m'évader à pied. J'ai pas besoin de la voiture. Il y a un flic au bout, faudra que je fasse gaffe à ça aussi. Non mais, va à la suivante. Allez vite, il y a du monde. Faut qu'on se dépêche. C'est là qu'ils ouvrent la porte, je suis dans la merde. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a personne en vrai là dans la... Allez, c'est bon, on a pris la citrouille, on se casse. C'est bon. Maison. Ah mince, du coup ça me l'a jeté, ça me l'a pas prise. Non. Eh bah tant pis. J'irai la chercher une autre fois, au moins je sais où elle est. Allez, on va au quartier d'à côté. Parce que là, du coup, c'est un peu trop risqué de retourner dans l'autre quartier. Même si j'ai eu le temps de poser des caméras. Alors, voilà donc le nouveau quartier de Ridge Street. Alors là aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caméras. Et on n'est plus dans les 100 et quelques, on est plutôt vers les 200. Voilà, voilà, donc il y a des grosses, grosses voitures, du coup. Excusez-moi, excusez-moi, pardon. Alors, où est-ce que je vais me souvenir de la maison où j'ai eu tant de mal à ne pas me faire repérer? C'est cette maison-là qui, du coup... Par contre, je sais pas pourquoi il y a un terrain. Ça, c'est juste un terrain de jeu, je pense. Hop là. Alors, ouais, laquelle c'était? C'était à 208, je crois. Je ne sais plus. C'est une maison qui est dans les montagnes. Et cette maison m'avait rendu dingue. Elle m'avait rendu zinzin.
C'est pas celle-là, non? Est-ce que je vais arriver à la retrouver? Allez, monte! Je crois que c'est là-haut. Alors non, c'est pas celle-là. On voit bien que c'est pas du tout la même ambiance. Hein. C'est loin d'être la même ambiance. C'était laquelle? Ah, c'était celle-là! La 202. Elle est sur 3 niveaux. Et les gardes à passer sont juste infâmes. C'est horrible de passer cette maison. Et peut-être aussi que j'ai voulu faire trop de missions d'un seul coup, je ne sais pas, mais... Il y a de quoi grimper, mais il faut surtout pas se faire gauler, quoi. Et ça, c'est le gros problème. Et il me semble que j'avais réussi à pénétrer dans la maison. Mais derrière, il doit y avoir une grille où on peut s'accrocher. Il y a une grille en hauteur. Et j'avais, voilà, la grille en hauteur. Enfin, les deux grilles même en hauteur. Et en fait, j'ai dû garer ma voiture derrière ce mur pour passer par-dessus. C'est la grosse galère. Et le problème de ce quartier, c'est qu'il y a beaucoup d'électronique. Donc là, présentement, je ne vois pas comment je peux le faire. Parce que j'ai pas... J'ai clairement pas assez d'outils, en fait. Mais c'est tout un défi, franchement. Parce que cette maison-là, c'est vraiment un défi de tous les instants. Mais je voudrais voir en compétence, je suis comment. C'est quoi, ça? Permet d'estimer plus d'objets sur place et d'estimer et d'utiliser des jumelles pour observer à distance. Ah merde. Donc il faut que j'augmente mes niveaux là. Faut que j'augmente mon niveau, mais pour cela. Pour cela, il va falloir que je joue bien. Et que je prenne la bonne maison pour commencer. Je pense que de commencer par la 201 n'est peut-être pas un... peut-être pas un problème en soi. Après, elle est baraque. Elle est baraque, il y a des caméras partout. Alors, pour faire le tour. Est-ce qu'on peut apprendre des habitudes aussi en passant? Après, je me rends compte que de ces maisons... Il y a l'air d'y avoir personne en vrai. Par contre, je vois pas de décoration d'Halloween sur ces maisons-là. Donc si ça se trouve, les citrouilles et compagnie, c'est vraiment à l'autre quartier qu'on peut les trouver. Ah bah je crois que quand les fenêtres sont mises comme ça, on peut pas voir à l'intérieur, c'est qu'ils les ont pas modélisées. Il y a une petite cabane, d'accord. Ah. Ok. Donc le seul truc qui pose problème, c'est la caméra à l'entrée. Mais il y en a une autre. Elle est là-bas. Faut que je la notifie. Voilà, elle est à l'entrée et elle bouge en plus, je crois, celle-là. C'est ça. Elle, non, enfin, c'est pas ça. Elle ne bouge pas, mais elle me bloque l'entrée avec une certitude qui n'est plus à prouver. C'est bon, c'est ouvert. Donc on va laisser passer ce monsieur, en espérant que ce ne soit pas l'habitant, parce que là, on est un peu dans la merde, sinon. Donc on va attendre qu'il passe et on va éviter les caméras. Il n'y a que celle à l'entrée qui bouge vraiment en fait. Oh. Ok. Alors je vois qu'il y a une personne qui approche. Oh zut! J'ai pas vu la... Ah! Bon, perdu pour... Ah non, mince, c'est une... J'ai tout faux. J'ai strictement tout faux. Comment faire? Non, 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 non. Tu me chaperas pas. Ah mince, il est passé de l'autre côté. Ah non, mais il fait le tour. Attendez. Est-ce que je vais réussir à troller le jeu? Non. Je vais réussir à trouver le jeu en me planquant juste de l'autre côté de la maison alors qu'il m'a vu? C'est une blague? Non. Mais il m'a vu aller de l'autre côté de la maison, c'est quoi? Ah bah oui, j'espère bien quand même. Dis donc, t'en as mis du temps. Punaise.
Je pensais pas qu'il allait mettre autant de temps à me détecter comme ça, quoi. La vache ! Bon. Le fait est qu'il nous faut impérativement l'électronique de niveau 2. Donc on va aller voler cette voiture, se faire un paquet de flouze. De toute façon, la voiture du 104, elle est pas bien compliquée à voler, donc ça va être relativement rapide. Ah oui, mince, je suis obligée de repasser par ces trucs-là pour pouvoir aller d'un quartier à un autre. C'est bête, on peut pas aller d'un quartier à un autre sans avoir à repasser par le pawn shop ou la déchette ou un truc du genre, quoi. Alors la déchetterie, pour le coup, elle sert à vendre les pièces de voiture. Après, il faut faire gaffe parce qu'il y a certaines du coup, pièces qui sont bonnes à vendre sur le Black Bay. Alors, faut que je récupère peut-être mes micro-caméras. Peut-être qu'elles ont eu le temps de récolter les informations que je souhaite avoir. Notamment concernant les habitudes des habitants. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Parce que là, ça me dit, voilà, il y a encore la petite horloge signe que l'information n'est pas encore sue. Alors, eux, je ne sais plus quand est-ce qu'ils se barrent. Le 104. Est-ce que j'ai des informations sur eux? Oui, en fait, il fallait venir dès 7h. Ok. J'ai tout faux. Donc, il faut que je redorme. Ah, maintenant, on est le soir en même temps. Donc, il faut que je dorme jusqu'à 7h du matin. Allez, on va dire 7h. Non. Jusqu'à 7h. Voilà. Donc jusqu'à 7h. Et normalement, voilà, il y a monsieur qui part, en fait. Mais il a l'air d'être bloqué dans le mur. Ah non, il re-rentre? Qu'est pas ça? Il re-rentre chez lui. Et il descend. Ok. Allez, allez. Ah, des fois, ça met du temps. Yes. Ah, mais c'est pas eux qui ont l'ampli de Joma, là, qui réclamaient sur Black Bay? Par le plus grand des hasards? Exactement. Alors, non, les chandeliers, c'est mort. C'est les chandeliers à 3 branches. Vase grand. Vase large. Non, c'est pas ça. Vase pomme, et je l'ai déjà pris le vase pomme. Ok. Oh non, ne me dis pas qu'il vient par ici. Oh! Il ne m'a pas grillé, c'est un miracle! En parlant de miracle, tiens. Oh, je suis impressionnée qu'il ne m'ait pas gaulé, franchement, là. Bon. Elle est en dessous. Admettons. Mais je vais quand même pouvoir lui piquer sa bagnole. La basse. Oh, tiens, une basse, c'est vrai que j'en ai pas encore vendu. Bon. On va attendre que les gens passent. Parce que sinon, là, on va se faire gauler, mais direct. On va même pas avoir le temps de réfléchir. Ça va être instantané. Par contre, ils vont mettre un peu trop plombes, donc désolé pour l'attente. En fait, j'aurais... Comment ça détecter? Mais comment? Mais je suis de l'autre côté de la porte! Comment c'est possible? J'étais derrière la porte de garage. Comment la personne a pu me détecter? C'est juste impossible. C'est juste pas possible. Je comprends pas ce jeu. C'est terrible. Je comprends pas ce jeu. Je n'arriverai
probablement jamais à le comprendre. Oh mon dieu, quoi. Je me disais bien que t'étais là, qu'est-ce que tu fous ici? Bah oui, t'as pas à être là. C'est... Je me disais aussi, là, mon PC, il semble un peu... Il chauffe. Mais oui, il y a un chat dessus. Il y a un chat qui n'a pas à être là. Allez. Ah, puis il est pénible à choper, en plus. Allez. Allez. Viens ici. Voilà. Tu n'as pas à être sur mon ordinateur. Je t'ai décoiffé, je sais, mais bon, c'est comme ça. Non. Non, non, non. Non ! Certainement pas. Voilà, c'est ça. Bon. Eh ben, on va essayer d'être un peu plus prudent, mais alors là, je vois pas comment la personne m'a vu, là. C'est... Vous êtes témoin. J'étais derrière la porte. La personne n'aurait jamais pu me voir. Ou alors, il y a un bug de texture, je ne sais pas. Mais en vrai, j'étais pas visible. Ah, d'accord. Non, ça, c'est la sortie. Bon, je saurai maintenant qu'apparemment, les gens peuvent vous voir à travers la porte. Ce qui est chose assez incompréhensible. Bon, allez. On prend le risque. On ouvre la porte. J'ai pas pris le pick gun. Oh non, j'ai oublié de prendre un outil qui était indispensable. Ils sont pas là la nuit, donc il vaut mieux voler la voiture la nuit. Oh mon dieu, mais c'est pas vrai. En plus, j'ai des sous pour, quoi. Bon, après, je reviens pas les mains vides. Mais bon, quand même, quoi. Allez, prêteur sur gage. Il y a le vase qu'il faut pas que je vende, je crois. Ouais, là, c'était lamentable. Welcome back. Absolument lamentable. Ah bah non, ça non plus, faut pas que je le vende. Faut juste que je vende la basse. Voilà. Oh là là, je suis désolée de cette prestation absolument déplorable. C'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Bon, ah oui, le vase. Je crois qu'il y en avait un autre. Non, c'est le chandelier tri. Mais mince, j'en avais déjà pris un vase grand. Oh, je sais plus. Oh, la mémoire flanche, là, j'y arrive plus. Alors, Black Bay. Ouais, c'est ça, il en faut un deuxième. L'ampli. Eh ben, c'est bon, on a au moins l'ampli. Les guitares, je pense qu'elles se trouveront... Elles se trouveront plus tard. Donc il faut que je mette là-dedans le grand vase. Et c'est tout. Et il faut qu'on achète le pick gun électrique. Le pick gun électrique, exactement. Bon, il coûte une blinde, mais bon. C'est pour la bonne cause. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Avec un peu de chance, il y a peut-être un deuxième grand vase qui va spawner. Pour qu'on puisse faire du coup le doublon sur le Black Bay. Bon, les habitudes des Jones. Ah non, d'accord, c'est le truc des habitants d'à côté que j'ai vu, en fait. D'accord, d'accord. Ok. Bon, normalement, je suis encore dans les bons horaires, donc bon. Oh, elle remonte. Non, elle remonte pas. C'est bon. Et non, le grand vase ne respawn pas. C'est ce que je pensais. Et bah tant pis. Chat. Ok. Bon. Le témoin potentiel est passé. Mais non! Mais jamais de la vie! Comment tu me vois à travers la porte de garage? Jamais de la vie! Non mais c'est quoi ça?
Voilà, c'est bon. Mais monte. Allez. Alors. Je ne sais pas du tout. Voilà. Faut tout tester en fait. Waouh. Alors, ce bug de texture est fabuleux. Et voilà, c'est bon. On va pouvoir démonter cette bagnole et se faire un pognon fou. Bon, malheureusement, il va falloir que je me fasse un petit peu oublier. Hey, ça va. 500 d'XP. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ça. Oh, allez, les jumelles. Allez, tout pour les jumelles. Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left a box by your gate. Pick it up. Celle-ci? Carton pour le Richie au 204. Ah bah c'est là que commence l'émission sur l'autre quartier. 204 and stick it in his bedroom drawer. And don't let him see you. Ok, ça marche. Pont élévateur. Allez. Du coup, on va la mettre. Voilà. Apporte le carton sans être aperçu au 204 Richie Street. Ah oui, alors voilà. Du coup, les roues, faut vraiment qu'on enlève tout. C'est très précis. Les vis, je veux... Mais zut, à la fin. Enlève-moi ces vis. Sinon, je peux pas enlever ça. Enlever les vis, voilà. Oh là là, mais... Et c'est minutieux. Alors, voilà, je veux la mettre dans ma réserve. Merci bien. Oui, allô. Alors, étrier de frein. Ouais, non, mais il y a des trucs en fait, on peut pas le garder. Voilà. Tu voles les plaquettes de frein, toi. Mais non, je suis en train de démonter une bagnole et je prends ce qui m'arrange. Mais je les vole pas, puisque je les mets à la poubelle. Ok. Non mais... Ah. Alors par contre, les commandes sont atroces. Les commandes sont juste horribles. Ok. Allez. Ah. C'est vrai qu'il faut, trouver où se trouvent les vis. C'est le seul inconvénient. Mais ça se trouve. Et par contre, il est long à la détente. Il y a quand même vraiment un délai entre le moment où j'appuie comme une tarée sur mon bouton de souris et le moment où il daigne enfin, voilà, sélectionner et enlever ce que je lui demande d'enlever. Oh, la vache. Voilà. Et il faut qu'on fasse tout le tour comme ça. Ah, mais pourquoi? Oh putain. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais volé des citrouilles. Voilà. Il faut que l'angle de caméra soit quand même un minimum digeste. Hein. Et on aura passé dans le jeu une journée entière à démonter ça. Ça n'aura pas été une journée des plus productives. Mais après, c'est dimanche. Il faut aussi se détendre un petit peu. Sinon, après, dans quel état commencerons-nous la semaine? Allez. Oui, voilà, 5. Je pensais qu'il y en avait 4. Allez. Oh, les hitbox. Les hitbox sont terribles. Tu vas pas derrière. Voilà. Et il explore. Du coup, je pense que je vais refaire le setup incessamment sous peu aussi. Pour éviter que le micro cogne du coup entre les deux tables, parce que là... Je pense que pour les oreilles, là, ça a dû être terrible.
Ah, c'est ça que j'aurais peut-être dû faire, c'est dézoomer accessoirement la courroie. La courroie de distrib, exactement. Ok. Elles sont où tes vis? Ah, d'accord. Bon, il y a un tant soit peu de cohérence, on va dire, dans les mouvements, mais. Oh, le délai est relou, quoi. Je crois que c'est peut-être la seule bagnole que je volerai. Hein. Non, mais. Ah, oh, ce jeu Yori, parce qu'il fait croire que t'as sélectionné ce qu'il faut, et puis finalement, non. Faut que tu recliques dessus. Oh, c'est relou. Allez. Voilà. Ah, voilà. Donc ça, ça se... Ah, il râle beaucoup aujourd'hui, là. Ah, je croyais que ça se récupérait, ça. J'étais persuadée que c'était récupérable. Apparemment, non. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Mais je vois pas pourquoi d'ailleurs je récupère ça. Mais la batterie elle est derrière, pourquoi je me fais suer avec ça? Ah d'accord, c'est peut-être pour ça là. Ouais donc ça c'est bon. Ok, il y en aura besoin peut-être pour plus tard. Bon allez, c'est presque fini. On garde espoir. On garde le cap. On n'abandonne rien. Et après on aura la satisfaction d'avoir vaincu le démon du temps. Y'a quoi là derrière? Bon à part ouais, donc la batterie du coup que je peux prendre. Ça d'accord. Mais y'a d'autres choses. Oh, y'a d'autres choses à prendre là. Mais c'est terrible. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord c'est ça. Ok, donc ça c'est bon. Une heure du matin dans le jeu, on n'aura pas vu le temps passer. Là pour le coup c'est trop réaliste. Ok, donc ça c'était pour le filtre à air. On a récupéré la batterie. Est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer ? Bon, par contre, ce qui est pénible, c'est qu'on ne peut pas... On ne peut pas... La caméra ne peut que pivoter. On ne peut pas aller chercher le reste. Parce que je sais qu'il y a d'autres trucs devant, là. Bon, je vais faire E. Voilà. Et puis, on va retourner... Non, sur le devant. Je veux retourner sur le devant parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à... Il y a quelque chose que j'ai oublié de prendre. Ou pas. Non, bah, c'est bon, en fait. C'est bon. Ça y est. La voiture est enfin... démonter. Ouh. Oh la vache, je crois que je le ferai qu'une seule fois. Franchement, je le ferai qu'une seule fois. Parce que là, ça a vraiment été horrible à faire. Donc sur le Black Bay, pièce de voiture. Je vends et je vends. Donc ça, c'est bon. On va qu'on récupère aussi des disques durs. Un clavier, sérieux? Oh non! J'ai reposé le clavier de tout à l'heure, j'aurais dû le garder. Bon. C'est bon, l'action est là. L'action est là, voilà, tout simplement. On a les jumelles qu'il faut, on va aller à la déchetterie. Et puis après, on va se diriger vers le nouveau quartier. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, tu descends. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'y suis allée par défaut. Voilà, le junkyard. La déchetterie. Ok, je crois que le gars est là. Howdy. Hello. Ouais, donc je peux déjà vendre ça, mais je vais garder le reste. Je vais garder les pièces de voiture. Parce que des fois, quand le Black Blaze se met à jour, il faut pas tout vendre tout de suite. Il vaut mieux attendre. Attendre et être sûr. Par contre, je crois que du coup, j'ai pas ce qu'il faut pour être en électronique de niveau 2.
Donc je vais me diriger au 204, qui est juste à côté d'un parking. Bah c'est cette maison-là que j'ai essayé de cambrioler, mais ça a été un échec absolument énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avec les commandes. Merci. Voilà. C'est bon. Ah non, c'est pas cette maison-là. Par contre, il y a des caméras. Il y a une caméra, voilà, à l'entrée. Ils ont un dispositif électronique à l'entrée. D'accord. Donc en fait, faut pas que je rentre... Faut pas que je rentre par la porte d'entrée. Il va falloir que j'attende le jour. Il est 2h du matin. On va aller dormir dans la voiture et faire passer le temps. Peut-être observer du coup les habitudes des habitants. Les 6h, voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ou pas? Il ne se passe rien. Donc on va redormir, et cette fois-ci on va aller jusqu'à 9h. 9h, je pense que c'est le bon horaire. Voilà, il fait suffisamment jour. Le dispositif anti-vol a été levé normalement. Exactement. Du coup, il faut que j'aille dans mon sac pour mettre les jumelles au quick slot. Voilà. Exactement. Par contre, je ne sais plus. Non, c'est pas ça. Exact. Ah voilà. Par contre, ça c'est chiant parce que... Bon, ok. D'accord. Ils sont dans le salon. Ah, mais il y a du monde dehors, donc je ne peux pas crocheter. Je ne peux pas crocheter. J'attends tranquillement que ça passe. Je fais du Scooby-Doo. Voilà, tranquille. Oh, il y a du monde! Oh, ça va être dur de cambrioler, ça. Donc, tant qu'il n'y a pas d'autre issue. Oh, mais qu'est-ce que c'est tout ce monde-là? Il y a une brocante ou quoi? Je peux rien crocheter, là. Là, tous les PNJ ont décidé de se donner rendez-vous. C'est la Japan Expo. Bon, au moins, j'ai le temps d'observer un petit peu ce qui s'y passe. Je peux peut-être du coup observer plus leurs habitudes. Bon là par contre c'est un peu, voilà, c'est un peu compromis parce qu'ils sont de l'autre côté de la maison. Ah. Non, lui il est de l'autre côté du mur, carrément. D'accord, donc la pièce là est à part. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, on va essayer. Oh! Oh! Il ne s'est rien passé. C'est bon, il n'y a pas de caméra. Et? Oh non, mais putain. Oh, mais par pitié, quoi. Mince, mais il y avait une poubelle. Où est-elle? La poubelle. La fidèle et toujours grosse poubelle. Oh la vache. Comment j'ai pas pu voir le poteau qu'il y avait à l'entrée, quoi? Il était tellement évident. Ou peut-être plutôt que j'irais voler des voitures, mais en off. J'irais voler des voitures en off, histoire de me faire un petit peu de fric. Ok, donc ils viennent de passer. Il n'y a plus qu'à attendre. Et après, ce sera déjà la fin de ce live. Avant le prochain stream Halloween. Et cette fois-ci, je peux... Alors, Vardo m'a dit que pour lui, c'était bon pour l'effort des deux. J'attends juste l'avis de Kevin. Peut-être qu'on refera du Portal Knights. Faut que je... Alors, Ben serait pour. Mais Kev, j'ai pas eu le temps de le...
de le contacter cette semaine. Et j'aurai probablement pas le temps non plus la semaine prochaine, mais il faudra que je trouve quand même un créneau pour le faire. Donc il y aura potentiellement du Portal Knights, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Mais j'aimerais bien faire du coup le spécial Halloween de Portal Knights. Oh, d'accord, ils sortent. Yes, j'ai réussi à prendre les habitudes que je voulais. Bon, il y a trop de monde là, rentrez chez vous. S'il vous plaît. Rentrez chez vous. Donc du coup... D'accord. C'est bon? Je peux y aller? Mais il y a un PC portable dehors, qu'est-ce que c'est que ça? Qui laisserait son PC portable dehors? Ah, et une autre caméra à l'entrée. On va faire le tour. On va faire le tour. Non, on va pas rentrer. Zut. Il y a une personne qui va passer incessamment sous peu, faut que je me dépêche. Voilà. Ok, alors on va même pouvoir prendre ça. Oh, la fiche ancienne, elle est assez drôle. Ok. Et on n'a plus qu'à la placer là. Magnifique. Et bah du coup, on peut même se permettre un petit peu de tourisme là. Oh, la pendule! On peut la prendre, elle? Apparemment, non. Dommage. Il y a beaucoup de poussière aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est là-dedans qu'on va pouvoir enfin trouver ces voitures de malheur? Non? Apparemment, non. Oh, bah punaise. Non, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver ces trucs-là? C'est dingue, quand même. Pas là-dedans. Bah non, c'est pas là-dedans. Je suis frustrée. Ah bah du coup, je vais pouvoir prendre ça. Oh! Oh! Allez, vite. Bon, il y a encore un petit peu de temps, mais quand même. Ils sont loin les numéros les uns des autres. J'ai pas toute la nuit moi. Allez, 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 allez. Allez. Bah dis non, mais c'est vraiment une blague en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vase ancien. Oh, oh par contre. Ah, magnifique le bot de texture là. Magnifique. Y'a pas des disques durs par hasard là-dedans là? Non, y'a rien. Y'a rien du tout. Bon, je vais me mettre debout, ça va être beaucoup plus facile. Oh, mais ce placard est vide, mais c'est mort! Y'a rien du tout! Hallucinant! Ne me dites pas que c'est vide là aussi! Parce que là, je vais finir par me poser des questions. Allez! Mais ouvre-le! C'est une blague ces placards là ou Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est vide cette chambre! Oh! Eh mais sérieusement? Ah, j'ai cru que c'était une citrouille là-bas dans le fond, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout! Ah voilà, ça il va falloir que je le désactive une fois que j'aurai les compétences requises. Ils vont pas tarder à revenir. Ils vont pas tarder à revenir. Ah, mais quoi? Ah non, c'est que des dés. Enfin, que de l'argenterie, ce genre de choses. Mais où sont ces foutus? Je sais pas où se trouvent ces voitures de malheur.
Oh, et bah peut-être que... Eh bien non. Ça n'est pas ce que je cherche. Et les habitants reviennent déjà, génial. Et il n'y a rien dans ce coffre. C'est quoi? C'est quoi cette maison de mort où il n'y a rien? Elle s'est pas aperçue que j'avais cambriolé. Non, c'est bon. Bon, eh ben il va falloir que je sorte d'ici. Alors c'est bon? Il n'y a pas de caméra là? Non, c'est bon, je peux sortir. Oui, bah écoute, hein, je ne suis plus en intrusion, ça y est, c'est bon, c'est fini. Je sors, je m'en vais. J'en ai vu assez. Mais je sais pas du coup où sont ces foutues voitures. Et attendez, on va faire un tour du quartier pour voir, parce que là, il n'y a pas de décoration d'Halloween. Là, il n'y en a pas non plus. Donc ça veut dire que ces deux maisons-là, il n'y a rien dedans. Oh, elle se traîne le fion, là, ma voiture. Là, c'était original, là, la maison qui est tombée du ciel. Alors, cette maison-là, elle est immense. Là, il n'y a rien non plus. Celle-là, je vois pas de décoration non plus. Celle-là non plus. Voilà, je pense que c'est mort. Il n'y a pas d'Halloween par ici, hein. Je pense que c'est mort. Là, il n'y a rien non plus. Et bah, je pense que pour la quête d'Halloween, ça se passe que dans l'autre quartier, en fait. Je pense qu'il se passera rien d'autre, en fait. Dommage. Aïe, 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 je me tape des notes pourries. Parce que je ramène rien, en fait. Ah bah voilà. C'est ça. Mais je crois que par contre le boulot, enfin le... Ce qu'il me faut en matériel, il coûte beaucoup plus cher. Bon. Ah, il y a des trucs anciens, livres anciens. Du coup le vase ancien, ben oui. Faut que je prenne des antiquités, journal ancien. Mais du coup, l'affiche ancienne aussi, elle rentrait dedans ou pas? Oui, affiche ancienne, en effet. Sauf que j'avais pas encore fait la mise à jour par rapport à ça. Bon. Accepter, accepter. Bah si, on peut voler du coup les vieilles pendules, mais il faut déclencher les quêtes pour ça. C'est toi, la vieille pendule? Oh, je crois pas que je sois une vieille pendule, hein. Ah. Allez. Je disais, c'est toi, la vieille. Est-ce que j'ai l'air d'une vieille pendule? Oui. Non. Pas vraiment, non. Oh, niveau 20. Oh, c'est cher. Bon. Tant pis. C'est pas grave. Ah oh, bah du coup, les deux quartiers sont sur le qui-vive. J'ai tout gagné. Welcome back. Donc ça, c'est... Oh non, il faut que je débug aussi le PC. Oh là 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 là. Mais est-ce que je peux pas te vendre l'autre alors avant? Oui, voilà. Il faut que je débug le PC avant de le vendre. J'avais oublié ça. Maison. On va débugger ça. Après, je pense que j'arrêterai. Là, je suis déçue de pas avoir pu résoudre cette quête Halloween avant la fin. Quoi. Là, je suis un peu frustrée de partir sur sur quelque chose que j'aurais aimé réussir au final. Après, il y a peut-être un coup de Noël aussi. Ça viendra peut-être plus tard, je ne sais pas. Ouais. Ouais, mais non, en fait. Non, c'était ça. Yes. Oh, ce schéma de la mort, au secours. C'est comme ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement cela. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de monter de niveau hors caméra, parce que là, il faut clairement que je me dépêche de monter de niveau
pour pouvoir aussi débloquer l'électronique de niveau 2. Welcome back. Voilà. C'est bon. Donc on va s'arrêter là pour Thief Simulator et la prochaine fois, eh ben j'essaierai en off, là je vais essayer de voler pas mal de bagnoles dans le quartier du début pour voilà, tout simplement essayer d'augmenter un petit peu mon niveau. Parce que les voitures, là, vous l'avez bien vu, c'est assez lourd à faire. C'est assez pénible. Donc je préfère faire ça off, tranquille, prendre le temps de le faire, augmenter de niveau, et puis voilà. Du coup, on se retrouvera la semaine prochaine, si je fais ce montage suffisamment tôt. Il faut savoir que donc, je serai en stream pour Halloween samedi prochain. Je publierai le programme. Eh bien, dès que j'aurai les réponses que je souhaite, je finis ma liste, je pense, demain. Et d'ici le milieu de semaine, devrait y avoir la liste de prêtes pour le stream d'Halloween. Et je ne serai pas seule cette fois-ci. Je pense que je serai en petit groupe. Il n'y aura pas que Vardo et Ben. Il y aura aussi Quentin qui sera là. Peut-être deux autres personnes aussi qui vont se joindre à nous. Je ne sais pas. J'ai oublié de leur demander. Il faut vraiment que je le fasse. Mais bon, tout sera établi en fin de semaine. Donc, bon, pour Thief Simulator, le replay, c'est tout pour nous. Et puis, donc, comme je l'ai dit, on essaiera d'augmenter, de se faire un petit peu les poches, cette fois-ci, dans le quartier voisin.